Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, haul, laine et catalogue de fil d'art, je vous ai montré que j'avais acheté deux livres, voilà, deux catalogues de modèles de tricot fil d'art. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer les modèles qui étaient dans ces catalogues sur une autre vidéo. Donc voilà, la vidéo, c'est celle-ci. Donc si ça vous intéresse, ne partez pas. Vous allez voir les modèles qu'il y a dans ces catalogues. Voilà. Alors, une petite aparté, tout de suite. Certaines le savent, je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Voilà, moi je vais faire ce modèle-là. Prochainement, je vais le faire. J'ai acheté la laine pour, et c'est pour ça que j'avais acheté le catalogue. Voyez, c'est un modèle avec des torsades, avec un petit col roulé, voilà, des longues manches, blablabla. Quand on regarde les explications, il me faut 8 pelotes pour faire un 50-52. Bon, déjà au début, je me dis 8 pelotes, ça va être juste. Bon, ce sont des pelotes qui font... est-ce que je les ai là sous la main? Oui. Alors. Il y en a trois. Non, c'est pas celle-là. Vous allez voir, je ne vais pas savoir l'attraper tout de suite. Si, ça y est. Voilà, ce sont ces pelotes-là. Donc, avec du fil très fin. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu le pull, que j'ai vu mes pelotes, que j'ai il m'en fallait que 8. Bon, sur le coup, j'ai commandé, j'ai pas fait gaffe. Hein, de toute façon, j'avais pas les explications. Et que j'ai regardé les explications, j'ai fait, oh, il y a un problème. Parce qu'on me dit de travailler avec deux fils. Donc, deux fils égale deux pelotes en même temps. J'ai dit, alors, si je dois travailler avec deux pelotes en même temps, c'est comme si je faisais un pull avec 4 pelotes. Voilà, si vous comprenez. Il dit, ça n'est jamais possible. En sachant que celle-ci, cette pelote-là, elle fait, c'est 50 grammes, hein, et elle fait 287 mètres. Donc, il y a quand même beaucoup de laine, hein, il y a quand même la longueur. Mais moi, ça, je ne sais pas me repérer à la longueur de la pelote. Vous pouvez me dire, ma pelote, elle fait 150 mètres, je ferai autant. Elle fait 300 mètres, je ferai autant. Oui, tu as raison. Ça, je ne sais pas me repérer. En sachant que sur là, ils disent on tricote au 6, avec un fil aussi fin. Et en sachant que sur l'explication... Bon, on travaille au 5,5. Bon, si, 5,5, ça va. Mais ils me disent donc deux fils ensemble. Donc deux fils ensemble. J'ai dit là, il y a un problème. Donc j'ai demandé aux copines sur Facebook qu'est-ce qu'elles en pensaient. J'en ai qui ont trouvé ça normal. Ben, bon, okay. Voilà, ils ont trouvé ça normal. J'ai d'autres qui doutaient aussi comme moi. Donc ce matin, j'ai téléphoné chez Fil d'Art. J'ai dit, on va téléphoner chez Fil d'Art. Hein. Alors, une erreur peut arriver hein, dans le catalogue, on ne sait jamais. Et Fil d'Art, donc la dame que j'ai au téléphone, parce que comme ça, en télétravail en plus, elle a envoyé un message à sa collègue conseillère tricot qui lui a répondu immédiatement. Et qui lui a dit, non, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien 8 pelotes à tricoter en deux fils. Donc, en tout, c'est comme si on tricotait 4 pelotes. Voilà. Donc, sur le coup, ben, c'est vrai que je me suis dit, mince. Parce qu'en plus, il y a des torsades. Alors, je me demande quand même, parce que le Black Friday s'arrête aujourd'hui. J'ai quand même envie de commander une ou deux pelotes en plus. Elle me dit que c'est bon, mais je sais pas. Donc, je vais voir.
Je vais réfléchir encore jusqu'à ce soir, c'est jusqu'à minuit, hein, Black Friday. Mais bon, le problème, c'est que pour deux pelotes, je vais payer, elles sont à 2,99 €. Je vais payer 5,90 € de frais de port. Donc, je ne sais pas, il faut que je vois. Soit je l'écoute et puis j'ai confiance à ce qu'elle a dit et qu'elle dit, ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais comme là, elle m'a dit, les prochaines fois, ce qu'elle conseille beaucoup, c'est de, quand on commande la laine pour un modèle, c'est de ne pas hésiter à prendre une ou deux pelotes en plus. Et ce qu'on n'a pas utilisé, après, on a 60 jours pour le renvoyer. Donc, voilà, ça permet au moins de pas se planter et d'avoir la laine qu'il nous faut pour tricoter. Et puis, au moins, d'avoir le même bain. Parce que là, je lui ai dit, je fais, ouais, le problème, c'est que si je recommande quand même de la laine, est-ce que y a moyen de demander le même bain? Elle fait là, non. Elle dit, vous n'êtes pas assuré d'avoir le même bain que vous avez reçu. Donc voilà, je suis embêtée, je sais pas, mais bon, je pense que je vais lui faire confiance, que je vais garder pour 8 pelotes, ou d'ici ce soir, j'en commande une ou deux. On verra bien. Bon, c'était une petite aparté que je voulais vous en dire, parce que j'en avais parlé l'autre jour, sur ma dernière vidéo. Et donc, je voulais vous dire ce que Fielder m'avait dit. En tout cas, donc, comme elle dit, elle conseille quand même de prendre une ou deux pelotes en plus. Et puis après, sinon, on les renvoie. De toute façon, le retour sont gratuits, je crois. On peut renvoyer gratuitement ce qu'on ne s'est pas servi, normalement. Donc, voilà. Je vais vous montrer donc les modèles qu'il y a dans ces catalogues. Je vous fais face bureau pour que l'on voit mieux. Et puis voilà. Allez, je change de téléphone de place. À tout de suite. Alors voilà. Donc comme je disais, donc celui-ci, c'est le numéro 201. Donc automne-hiver 2021-2022. Donc c'est à nouveau. Donc il y a 30 modèles dedans. Donc sur la première page, vous avez déjà tous les modèles. Hein. Notre premier modèle, ce sera un pull Sophia avec le fil glamour. Il me plaît beaucoup celui-là. Mais bon, j'ai plein de pulls qui me plaisent. Alors, ils disent que c'est hyper tendance celui-là. C'est un fil de haute qualité. Les sans manches pour vos dimanches. Alors, le pull sans manches Sarah avec le fil partenaire 3,5 et le fil light. Donc là, on tricote avec deux fils différents. C'est un niveau intermédiaire. Bon, c'est par rapport au point. Hein. Le pull Steffi. Avec le mohair soir lurex. Donc là, c'est un modèle expert, puisqu'il y a un point avec des trous-trous. Un intermédiaire, le pull Sharon, avec du Merinos 3,5. Le pull Stella, avec le fil Othello et mohair soie. Là, c'est un niveau expert. Oui, parce que vous voyez, il y a des pinces à faire dans le pull. Bon, celui-là est joli. Hein. Bon, il faut avoir un beau dos. On peut le mettre en gilet, hein, pourquoi pas. La preuve, ils disent à l'endroit ou à l'envers. Un pull Solène avec le fil Lolita et le fil brillant. Donc, c'est un niveau expert. Là, j'aime beaucoup cette veste avec le fil chouchou. Oh, le fil chouchou pour mon chouchou. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette veste. C'est la veste longue Saona.
c'est niveau intermédiaire. Ça va. J'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, il n'y a plus de boutons. Bon. Je suis de la vieille école ou quoi? Le pull Cilia avec le fil Beaugency. Donc niveau intermédiaire. Bon là, c'est un pull facile, je veux dire. Là, niveau intermédiaire, le gilet Sloan avec des manches bouffantes. Avec le fil Mora, Romance. Alors là, niveau expert, hein, ça se voit avec le point. Le gilet Savannah avec le fil Twendy. C'est couleur écureuil. Le Pulse Suzy. Alors là, on utilise le fil Chouchou et fil Sport. Donc avec plusieurs couleurs. Ici, on utilise le fil Passion pour le pull Saison. Il est beau aussi. Hein. J'aime beaucoup cette laine là. Ils ne disent pas ce que c'est. Non, là ils ne le disent pas. Voilà, à niveau expert encore, le gilet Sylvia avec le fil Mérinos 3,5. Ici encore un niveau expert avec le fil Écolène, le pull Scarlett. Et ici un intermédiaire, le pull Cybelle avec le fil Maxi Mohair. Le gilet Simone avec le fil Caresse et le fil Light, donc c'est un intermédiaire. Alors, un que j'aimerais bien faire, mais je trouve quand même que les manches sont un peu larges dans le bas. À moins que je passe un élastique peut-être dans les poignets. Le pull Sally avec le fil Gourmand. Et puis même la longueur est un peu courte pour moi. Avec mon petit bidou, il faudrait que je rallonge. Le gilet Salomé. Niveau intermédiaire, un gilet rayé avec le fil Charme et le fil Sport. Ici, un niveau expert, on le voit avec le point. Fil irlandais, et c'est un pull Cyriel. Le pull Solina avec le fil Rapido, donc il est peut-être rapide. Niveau intermédiaire, mais je dirais quand même il y a un peu de l'expert, hein. Il y a du point là, il y a du point quand même un petit peu, il faut quand même savoir le faire. Ici le gilet Sandy avec le fil Passion qu'on a vu tout à l'heure, niveau intermédiaire. Celui-là de pull, je l'aime beaucoup aussi. Il est très classique, sobre, j'aime bien. Pull Chanel avec un S, avec le fil Vénus, donc un niveau intermédiaire, avec la patte de boutonnage au milieu. Donc dans ce fil Vénus, il y a des petits sequins dedans, des tout petits sequins. Là, sur l'image, on le voit pas en tricoté, mais on le voit, il y a encore, bon, moi, c'est parce que j'ai le nez dessus, mais il y a des petits sequins. Donc, c'est une laine de matière précieuse et noble. Il y a du baby alpaga et de la laine mérinos dedans. Mais il est vraiment beau, ce pull. J'aime beaucoup. J'aimerais bien me le faire. Il y a plein de pulls que j'aurais me faire. Oh, en ce moment, c'est ma série. Ici, le pull Sanya, un intermédiaire avec le fil Nuage. Pas grand chose de compliqué. Là, bon, la torsade du milieu, parce qu'il y a des petits...
les petites choses, les petits trous. Mais bon, pour ceux qui maîtrisent bien les trous-trous, pas comme moi. Le pull Shearine avec le fil Eden, un intermédiaire. Ici, le gilet Suzette avec le fil Wavy et fil Light mélangé. Donc, niveau intermédiaire. Là, le petit col roulé est bien aussi. C'est le pull Selena avec le fil Amboise. Donc, c'est un intermédiaire. Donc ça, c'est le genre de pull, une fois que vous l'avez terminé, vous le mettez dans un plastique. De toute façon, tous les pulls qui ont des poils, hein, je vous l'ai déjà expliqué, je pense. Vous le mettez dans un plastique et vous le mettez quelques heures dans votre congélateur pour que ça fixe les poils sur le pull. Et on rigole pas derrière son écran. C'est une véritable astuce. Avant de mettre pour la première fois son pull, c'est ce qu'il faut faire. On le met au congélateur. 2-3 heures, hein, ça suffit. Sinon, dans le frigo, mais dans le frigo, il faut le faire toute la nuit. Congélateur, c'est plus efficace. Et votre pull ne devrait plus perdre ses poils. Voilà. Et on n'oublie pas, comment j'ai expliqué, pour laver ses pulls fragiles. Quand on ne les fait pas à la main, à part les vraiment très, 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 très fragiles, là qu'on fera à la main, mais sinon, les pulls faits tricotés main, comme je vous ai expliqué, on met dans une tête d'oreiller, on met le pull à l'envers, on le met dans une tête d'oreiller, et on lave, programme froid, lainage, essorage minimum, séchage à plat. Voilà. Pour pas que ça frotte contre le tambour de la machine, surtout. Bon, je vous répéterai souvent, hein, ça, pour pas que vous oubliez. Mais là, vous mettez, je vous dis, deux, trois heures dans le congélateur, dans un sachet plastique, bien sûr. Et les poils de votre pull vont rester fixés. Ici, un niveau débutant, enfin. le gilet Sophie, avec le fil Glamour. Il fait au point mousse. Le gilet Soriane, avec le fil Partner, un intermédiaire. Là, le pull dont je vous parlais, le pull Stellina. Donc, c'est un intermédiaire, puisqu'il y a des... Ça y est, j'ai oublié. Des côtes, j'allais dire. Ah ! Bon, vous avez bien compris, j'ai oublié le mot. Ici, alors, le Love Mower. Donc, voilà, Hélène. Voilà encore un qui va aller au congélateur avant que vous le mettiez une première fois. Hein. C'est un fil 70% de mohair et 30% de laine vierge. Donc, une fois que vous l'avez terminé, hop, dans le congélo. C'est le gilet Selma. Avec le fil Love Mower, et c'est un intermédiaire. Voilà, pour les modèles. Donc ici, comme pour les autres catalogues, on vous remontre les laines qu'il y a, les différentes couleurs. Voilà, on vous donne l'explication de la laine. On vous donne également la composition, comme la chouchou, c'est... 65% de polyamide, 35% d'acrylique, voilà, le fil Eden, Glamour, le Love Mohair, comme on vient de voir dernièrement. Voilà, l'amboise qu'on a vu tout à l'heure, c'est de la 35% de laine peignée, polyamide, acrylique. Voilà, donc là, on vous donne, ici, ce sont des nouvelles laines, c'est marqué, hein, news, donc celle-là, ben, là, les premiers aussi. Voilà, fil brillant,
Là, souvent, ce fil brillant, c'est un fil qu'on rajoute dans sa laine, hein. C'est rare qu'on tricote entièrement une pièce avec que ce fil. Voilà, le fil irlandais qu'on a vu tout à l'heure. 51% de laine, 49% d'acrylique. Donc voilà, fil gourmand. Voilà, fil gourmand, c'est aussi un qui va aller dans le congélo, ça. Malgré qu'il n'y a pas de mohair dedans, mais il est un peu poilu. Voilà, le light, Lolita. Ici, le mohair, soit l'urex. Le fil nuage. Donc, il y a beaucoup de mérinos dedans. Là, le mohair soie, bah, il n'y a que de la mohair et de la soie. Hein. Voilà. Là, c'est 100% mérinos. Donc là, l'Othello. Moi, j'aurais un pull avec celui-là. Voilà le Rapido. Donc, polyamide acrylique et laine peignée. Le Tweedy, le Wabi. Donc voilà, ici vous avez la récap de toutes les laines avec le numéro des aiguilles, les échantillons, voilà, les tailles des échantillons, le métrage des pelotes et savoir la saison, si c'est automne-hiver ou printemps-été. Et là, comme d'habitude, hein, voilà. Et vous avez les explications comme d'hab. Et à la fin, viens là toi. Et à la fin, une petite récap des points à retenir. Hein. Voilà. Pour faire un crafting sur lisière, une couture à pois arrière, couture invisible, ça c'est celle que je vous avais montrée en vidéo, pour coudre l'encolure, monter ses mailles, etc. Ça, je vous l'explique à chaque fois. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Le deuxième. Le voici, donc c'est le fil d'art automne-hiver 2020-2021, donc c'est celui de l'année dernière, le numéro 194, les matières divines. Donc il y a 35 modèles, modes et accessoires. Donc là, vous allez avoir de la mohair à l'alpaga, de l'angora à la soie, voilà. Donc ce sera des laines, de jolies laines. Il va falloir faire attention avec l'entretien. Alors, le premier, un gilet Leslie en côte perlée avec du fil mohair soie lurex. Voilà, vous avez les pelotes ici. Donc ça, c'est une laine qui est fabriquée en Italie, par contre. Donc mohair soie polyester. Voilà encore un qui est fait en mohair soie lurex, le pull Léa. Un peu comme dans la dentelle. Le fil Natural Loops pour le gilet Lourdes. Alors, le fil Natural Loops et le fil Mérinos. Il y a deux fils pour celui-là. Donc, pareil, fabriqué en Italie. Là, je crois que tous ces fils-là doivent être fabriqués en Italie. Le gilet Louisia en pur angora. Un pull avec de la transparence entre deux. Le pull tube Léonie avec le fil mohair soie et le fil nuage. Le fil Othello avec le gilet Lorette que vous pouvez mettre dans les deux sens, hein, en forme pull ou en forme gilet.
Donc Philotello et Filmo Hersois pour ce gilet. Le pull trapèze Lali en fil mohair soie. Le pull tube Lorraine en fil Othello et fil mohair soie lurex. L'écharpe Léana en fil nuage. Ah, j'ai de la laine dans la bouche. Le pull à jour Elena en fil nuage, le jour où je saurais faire des trous. Alors, le pull Luna fil mohair soie avec du fil myriade. Le snood Ludivine avec fil polaire et fil mohair soie lurex. Et là, il y a encore un snood avec les mêmes laines. Le pull Lina avec le fil RP roux. Là, on a le gilet Léonore avec le fil RP roux. Donc, c'est l'alpaga polyamide et laine. Voilà, encore un avec le fil RP roux. Le pull Lola. Là, avec le fil alpaga. Laura, le pull trapèze. Ah, celui-là est fabriqué au Pérou. 100% baby alpaga. Du coup, j'ai pas vu. Ah ben celle-là aussi était fabriquée au Pérou. Ben oui, fil Air Pérou, automatiquement. Encore des fils Air Pérou. Donc on a le pull tube Lou. Là c'est Mérinos, le Lolita. Le gilet croisé. L'alpaga coton. Donc, il vient du Pérou. Avec le pull trapèze. Encore l'alpaga coton et fil brillant. Vous voyez, le fil brillant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans ce pull jacquard Lucie. Encore de l'alpaga dans le gilet. Fil polaire, Léontine. Là, c'est la fabrication Italie. Mérinos et Baby Alpaga. Le fil Laponie, qui n'est pas fait en Laponie, comme son nom le dit, mais en Italie. Le pull trapèze, Loralie. L'écharpe avec le fil Laponie. Et le fil Mérinos 6. Ici, le gilet est fait en fil nuage et fil Laponie. Le Mérinos, fait en Italie. Mérinos 3,5 Lori. Alors, ici, on a du fil laine cachemire, fait en Italie également. Donc, on a le Lisi, le Snood, fait avec la laine cachemire et du fil brillant. Et ici, on a la laine cachemire et le fil mohair soie. Donc là, c'est tous des modèles qu'il vaut mieux acheter au moment des promotions, hein, je vous le dis d'avance. Le gilet long, fil nuage, fil avec du fil brillant. Ici, fil mohair soie lurex, gilet tube. Le fil pur angora, le pull Lilou. Le gilet pur angora et mohair soie lurex.
le Luan. Le pull Big Wall. Alors ça se fait avec des aiguilles numéro 15, ces deux-là. Non, celui-là. Celui-là, c'est du 9. Pardon. Ici, c'est du 15. C'est le gilet lison. Donc, pareil, hein, ça vient d'Italie. La veste kimono avec le Big Wall. Donc, là, il est fait en 9, par contre. Et pour terminer, le poncho avec le fil Laponie. Tricoté en numéro 10, celui-là. Donc, le poncho Lutèce. Et donc, comme tout à l'heure, vous avez la récap de tous les fils avec leurs caractéristiques, leurs couleurs. Voilà. Idem, les autres récaps de laine avec les numéros d'aiguille, les échantillons, leur nom, le métrage. Ici, un sommaire. Voilà. Et vous avez bien sûr toutes les explications. Et à la fin, c'est comme d'habitude, on vous remet des petites explications pour faire votre tricot. Voilà. Un petit pense-bête. Voilà, on vous remet un petit pense-bête. Voilà. Ici, je vois, alors je les ai vus, ces aiguilles-là aussi, chez Rascol. Je ne sais pas combien il est vendu chez Fildart, mais chez Rascol, c'était 14,90€, si je ne me trompe pas. Ce sont des aiguilles à tricoter en métal doré. Là, je ne sais pas combien elles font, il n'y a pas le prix. Je ne sais pas. Là, c'est la gamme Rose Gold. Et en allant justement sur Rascol, j'ai vu qu'il faisait des aiguilles à tricoter et des crochets lumineux. Donc la pointe de l'aiguille à tricoter et la pointe du crochet sont allumées, il y a une lumière dedans. Alors, je dis c'est bien ça pour tricoter à côté de votre mari quand il dort. Donc, vous pouvez tricoter sans allumer. Donc voilà les deux livres, j'espère que ça vous a plu, que les modèles qui sont dedans, ben, il y en a peut-être quelques-uns qui vous ont tapé à l'œil. Je vais vous faire des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, bisous bisous.